Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions pour cette heure. Nous te remercions pour ta parole. Nous savons que tu vas atteindre chaque vie avec ta parole au nom de Jésus-Christ. Tu vas bénir ton peuple. Tu vas illuminer ton peuple. Tu vas montrer la signification de la parole comme cela s'applique à tout individu ce soir au nom de Jésus-Christ. Confirme ta parole, ta vérité, ta puissance dans toute vie ce soir. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le bon peuple de Dieu dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à Marc 9. Et cette nuit, nous allons voir verset 9 jusqu'au verset 29. Marc, chapitre 9. Je lis du verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda à ses disciples, il leur recommanda de ne dire à personne, c'est-à-dire Jacques, Jean et Pierre, il leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Finalement, ils sont venus au 9, 3, 9, ça fait 12. Et ils avaient été confrontés à un problème. C'est qu'un homme a amené son fils démoniaque qu'ils n'avaient pu rien faire. Et ils ont fait de leur mieux, mais ils n'avaient pas de réponse. Donc l'homme est venu à Jésus pour dire que « J'ai amené mon fils à tes disciples afin qu'il m'aide à le délivrer et qu'il le guérisse et l'affranchisse. » Mais il n'avait pas pu. Jésus a dit « Amenez-le-moi. » Et finalement, il a dit à l'homme que tout est possible. Que tout est possible à celui qui croit en Dieu. Vois le verset 23. Et voici le vrai centre et l'étoile brillante dans le passage du jour. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Je veux que vous compreniez l'homme qui est là-bas, il n'était pas encore croyant. Jésus a dit que si tu peux changer, si tu peux te détourner de tes ténèbres de l'incrédulité pour venir à une vie de foi, si tu peux croire cette nuit, tout est possible à celui qui croit. Si Jésus peut dire cela à un incroyant qui n'a jamais rencontré Jésus, qui connaît des revers et des problèmes dans sa famille, si cela est dit à une telle personne, le Seigneur te dit aujourd'hui que tout est possible comme tu crois cette nuit. Dans votre vie, tout est possible. Dans votre famille, tout est possible. Dans votre profession, tout est possible. Dans votre vie chrétienne, pour que vous vous leviez et que vous marchiez majestueusement, avec force, martialement, avec confiance et avec victoire dans le Seigneur. La victoire est possible dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je veux que vous vous accrochiez à ce verset comme nous parcourons tous les versets. Comprenez que dans d'autres parties de la Bible, cela nous est dit que tout est possible avec Dieu. Et le Seigneur Jésus, de ce que nous avons vu, de ce que nous connaissons de Christ, tout est possible avec lui. Vous comprenez que l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit, tout est possible. Et avec tout croyant, le croyant dans la parole aujourd'hui, Seigneur, je te crois cette nuit. Seigneur, je te crois cette nuit. Avec le croyant dans la parole ce soir, tout est possible. Lorsque vous venez au Seigneur, Christ entre en vous. C'est pourquoi il dit que je me tiens à la porte. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai avec lui, j'entrerai en lui, je souperai avec Christ qui rentre dans un homme rempli de l'Esprit de Dieu, un homme qui est rempli de Dieu, un homme qui est inspiré par la parole, un homme qui croit la parole, un homme qui a les regards sur Dieu le Père et le Seigneur Jésus demeure pleinement en lui. Avec un tel homme ce soir, avec une telle femme ce soir, tout est possible. Voyons le verset 23 encore. Marc 9, 23.
Jésus lui dit, vous vous rappelez, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Jésus doit physiquement se mettre devant vous ce soir, voici ce qu'il va vous dire exactement. Vous savez que s'il envoie sa parole, ne passe jamais. Le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront jamais. Et il dit la même chose aujourd'hui parce que sa parole ne s'est pas passée. Jésus lui dit, Jésus vous dit, si tu peux, si tu, c'est toi en personne, si tu peux croire, combien de choses sont possibles? Tout est possible à celui qui croit. Comme vous croyez cette nuit, le Seigneur rendra l'impossibilité possible dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Vous devez comprendre ceci. Quand le Seigneur dit, si tu peux, tu ne peux pas, tu veux dire que Seigneur, je ne sais pas si je peux croire. Il faut savoir que toute chose dans cette vie, chacun commence au point mort. Ouais. Écoutez, pensez à l'écriture, à venir dans ce monde pour aller à l'école. Ouais, on ne sait pas écrire. Pensez au fait de parler. Arriver au monde, on ne connaît rien. Mais aujourd'hui, on parle. Et prenez le cas de celui qui conduit. Pour parler de conduire, vous ne savez pas comment conduire un véhicule, une voiture. Mais comment c'est, prenons un mécanicien. Un mécanicien ne connaît rien. Mais il a appris. Et en apprenant, c'est en forgeant. Et en s'appliquant à cela, on devient forgeron. Alors on est venu maintenant. Maintenant, on peut parler. Maintenant, on peut écrire. Maintenant, on peut sinon construire une phrase sans même penser, passer un long moment. On peut agir, faire quelque chose avec un réflexe. Enfin, c'est la même chose avec la foi. Vous pouvez commencer au point mort, mais comme on apprend, et vous allez apprendre cette nuit, comme on apprend et on pratique ce qu'on apprend, vous n'allez pas rester au point mort, mais vous aurez la foi, une grande foi. Vous aurez une foi active et la foi qui agira dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Cette nuit, nous voyons le message qui est les possibilité d'une foi inébranlable en Christ, d'une foi inébranlable en foi. Lorsque nous avons la foi en Christ, c'est comme vous avez la foi dans la foi, vous avez la foi en un taximan et vous asseyez dans le taxi, vous avez une foi inébranlable en lui que voici je vais ici, que oui je connais le lieu, même s'il ne dit pas que il connaît le lieu, mais vous déjà vous croyez qu'il connaît le lieu. Vous vous asseyez, vous lisez, vous avez foi en ce taximan qui vous amènera là. Alors, vous voyez quelqu'un dans le quartier et la personne dit, voici ceci va se passer, voici la date. Vous l'écrivez, vous l'acceptez, que ce sera ainsi. Maintenant, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, le Seigneur Jésus vous dit que tout est possible. Cette nuit, dans votre famille, dans votre vie, et si nous pouvons avoir la foi en les hommes, et si Christ notre Sauveur, si notre Seigneur, si celui qui est extraordinaire, l'Omnipotent, le Tout-Puissant, le Grand Connaisseur, celui qui n'échoue jamais et son nom est Jésus, si nous pouvons avoir foi en des hommes ordinaires, lui, en le Seigneur, j'ai la foi en lui. Je dis j'ai la foi en lui. Mais les possibilités d'une foi inébranlable en Christ. Le message est divisé en trois parties. Premier point, nous avons la prophétie et la prescience de sa souffrance. La prophétie et la prescience de sa souffrance. Plusieurs fois, Jésus a parlé de sa souffrance, de son sacrifice, de sa trahison, de sa mort, et puis il a parlé de sa résurrection. Et tout cela a été prophétisé. Il en a parlé, il savait cela. Et maintenant, il nous dit une fois encore, la prophétie et la prescience de sa souffrance. Deuxième point. Nous avons l'impuissance des gens dénués de foi parmi les saints. L'impuissance des gens dénués de foi parmi les saints. Quelqu'un est devenu croyant, un enfant de Dieu, un saint de Dieu.
Et maintenant, il prie, quand il prie, non seulement parce que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes un frère, vous êtes une sœur, ce n'est pas que parce que vous êtes un saint de Dieu et que le sang de Jésus vous a lavé plus blanc que la neige, c'est parce que vous avez foi en Christ. Quand vous priez, qu'est-ce qui fait exaucer la prière? La foi en Christ. Quand vous jeûnez, qu'est-ce qui rend le jeûne efficace? C'est la foi en Christ. Quand vous demandez quelque chose au Seigneur, qu'est-ce qui fait que cela vous est donné? C'est la foi en Christ. C'est pourquoi il fonde tout sur la foi. Que si tu peux croire toutes les choses pour lesquelles vous priez, toutes les requêtes que vous faites au Seigneur, le Seigneur vous exaucera. Mais si quelqu'un prie, mais il y a des gens qui prient, crient, ils font le tapage, ils prient, ils transpirent, ils prient, ils roulent par terre, ils prient, ils font beaucoup de gymnastique, ils font des choses vraiment, ils font pression et la douleur sur eux-mêmes. Ce n'est pas la douleur dans la prière, ce ne sont pas les cris dans la prière. Ce ne sont pas les activités et puis les gesticulations en prière. Ce n'est pas le fait de courir dans la prière. Mais ce qui fait que ceci est efficace, la prière est efficace, c'est votre foi en Dieu. Si vous faites une chose avec la prière et puis vous n'avez pas la foi, il n'y aura pas de réponse. Mais cette nuit, la réponse est en route. L'impuissance des gens dénués de foi parmi les saints. Troisième point. Les possibilités de la foi dans sa suffisance. Les possibilités de la foi dans sa suffisance. Christ me suffit. Je dis Christ me suffit. Me suffit. Christ est suffisant pour moi. Tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous demandez, tout ce que vous cherchez, toutes les choses pour lesquelles vous frappez la porte du ciel, toutes ces choses sont possibles cette nuit. Vous pourrez même commencer à penser à ce que vous aurez, les choses spirituelles, les choses émotionnelles, les choses professionnelles, les choses physiques, les choses matérielles. Et comme vous demandez au Seigneur cette nuit, je me réjouis avec vous, il vous exaucera. Les possibilités de la foi dans sa suffisance. On vient au premier point. Le premier point, je lis Marc 9. Versets 9 à 13. La prophétie et la préscience de sa souffrance. La prophétie et la préscience de sa souffrance. Nous allons à Marc 9. Je lis verset 9. Marc 9, verset 9. Comme il descendait de la montagne, c'est-à-dire de la montagne de la transfiguration, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu. Il voudrait qu'ils voient cette vision spéciale de sa transfiguration. Il leur avait déjà dit, quelques-uns d'entre vous ne mourront pas jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, venir dans sa gloire et dans sa puissance. Alors, il ne veut pas qu'en ce temps-ci, que cette gloire, que cette puissance, que cette majesté soit révélée à tout le monde. Parce que voici le temps de son humiliation, voici le temps de sa souffrance, voici le temps qu'il ira à la croix pour mourir. Alors il veut, ne veut pas que tout le monde vienne ensemble pour dire que si cette gloire est là, nous voulons te faire roi maintenant. Il a dit non, ne dites à personne, cachez, gardez ceci à vous-même. Afin que lorsque vous commencerez à prêcher l'évangile, après vous aurez l'assurance que vous ne suivez pas des fables habilement conçues. Donc il a dit, de ne dire à personne jusqu'à ce qu'il ait vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. 10. Il retient cette parole, se demandant entre eux de... Ils se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Ils devaient comprendre parce qu'il leur avait dit maintes fois que le Fils de l'homme sera trahi, tué, crucifié et le troisième jour il ressuscitera. Il répétait ce qu'il leur avait dit de ne dire à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Mais ils ne pensaient même pas
à une pensée même pas à sa mort, sans même parler de sa résurrection. Et verset 11, les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Verset 12, il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir? Ouais, la prédiction de la souffrance, la prophétie de la souffrance, la présence de la souffrance. C'était écrit au sujet du Fils de l'homme, au sujet de Jésus-Christ. C'était écrit qu'il faut qu'il doit souffrir. Et qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé. Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Maintenant, ils ont compris qu'il parlait de Jean-Baptiste. Voyons maintenant un passage parallèle en Matthieu 17. Matthieu 17, verset 10. Matthieu 17, voilà le verset 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? La question est que pourquoi les scribes, les enseignants, les docteurs de la loi, les sacrificateurs, les dirigeants en Israël, pourquoi disaient-ils que Élie doit venir premièrement? Et allons à Malachie, je reviendrai à ce Matthieu 17. Mais nous devons répondre à cette question, où est-ce que ces scribes ont tiré cette idée que Élie doit venir premièrement, que Élie doit venir et après sa venue, il y aura la révélation l'apparition du Fils de Dieu. Voyons Malachie chapitre 4. Voici la parole du Seigneur, voici la parole du Dieu Tout-Puissant, le Père qui parle de ce qui va se passer avant le second avènement de Christ. Et cet événement était enregistré avant le premier avènement et les enfants d'Israël confondaient la première venue avec la seconde venue. La première venue, c'est pour que le Messie souffre, qu'il meure pour nos péchés. La première venue, c'est pour qu'il fasse le sacrifice et qu'il donne l'opportunité à tout le monde d'être sauvé. Après cela, il y aura l'âge de l'Église. Après cela, il y aura l'enlèvement. Ensuite, la tribulation dans ce monde. Et après quoi, il y aura le second avènement. Et le Seigneur parle ici en Malachie au sujet du second avènement, que avant le second avènement du Seigneur, voici ce qui va se passer. Mais il y a une similarité entre la première venue et la seconde venue. Et les gens d'Israël, même les disciples, ils confondaient la première et la seconde venue. Malachie 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Déjà, de ce langage, cela parle de la seconde venue de Christ. C'est ce jour grand et redoutable. Mais les disciples n'avaient pas compris et les scribes d'eux-mêmes n'avaient pas compris. Et déjà, cet avènement d'Élie, ils confondaient cela. Alors, la première venue, Élie va précéder. Verset 6 dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Là, c'est pourquoi les scribes ont dit que Élie devait venir premièrement. À cause d'une fausse interprétation de la Bible et leur mauvaise compréhension de quand cela aura lieu, c'est pourquoi ils ont raté les avantages de la première venue de Christ. Allons à Matthieu 17, vers C'est 10. Matthieu 17, 10. Matthieu 17, 10. Les disciples lui firent cette question.
Pourquoi donc les scribes disaient-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Et il est vrai qu'Élie doit venir. C'est le futur, ce n'est pas la première venue, mais le futur. Élie viendra et il rétablira toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Quoi? Qu'Élie est déjà venu. Il y a deux prophéties au sujet de l'avènement d'Élie. Il y a une en Ésaïe que un précurseur viendra et il fera le chemin et préparera le chemin devant le Seigneur. Cela se réfère à Jean-Baptiste comme Élie qui viendra avant le premier avènement de Christ. Mais l'autre qu'on a lu en Malachie se réfère à Élie, une personne comme Élie qui viendra au second avènement, avant le second avènement. Jean le Baptiste comme Élie venant avant son premier avènement, mais un autre prophète puissant et grand, même il sera en mesure de faire toutes choses avant le second avènement. C'est pourquoi Jésus maintenant se réfère à Élie qui devait venir avant le premier avènement. C'est pourquoi c'est dit en Matthieu 17, 12. Mais moi je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Allons à Luc. Luc chapitre 1, verset 15. Là, j'ai venu parler à Zacharie et il parlait du premier avènement de Christ. Quelqu'un viendra, quelqu'un sera né avant le premier avènement de Christ. Mais qui est celui-là? Jean-Baptiste. Ouais, verset 15. Luc 1, 15. Quand il sera grand, c'est Jean, devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Avant le premier avènement, quelqu'un vient, qui viendra avant Christ, et il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Cela parle de Jean-Baptiste. Mais les scribes étaient confus. Ils n'avaient pas compris le premier avènement et le second avènement. Je prie que toute confusion soit dissipée de votre cœur au nom de Jésus-Christ. À cause de cette fausse compréhension, ils ont fait ce qu'ils ont fait à Jean-Baptiste et Jésus allait aussi souffrir. Rappelez-vous que nous parlons de la prophétie et de la préscience de sa souffrance. Allons aux Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, verset 23. Actes 2, 23. Voici ce qui est dit de Christ et de sa souffrance et puis des choses qui vont lui arriver. Ce n'était pas un hasard. Cet homme livré selon le dessein arrêté selon la préscience de Dieu. Préscience de Dieu. C'est-à-dire que Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur, a souffert. Et ce n'était pas une souffrance au hasard. C'était prédit. C'est selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Voyons Acte 4. Verset 25, Acte 4, Acte chapitre 4, verset 25.
C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton Saint-Serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. C'est dit que ceci n'est pas un jeu de hasard. C'était prédit, prophétisé par la préscience, selon la préscience de Dieu, que ceci va se passer. Comprenons donc que il n'y a rien qui arrive à Christ au hasard. Il n'y a rien qui surprenne Christ par surprise. Il savait qu'il va souffrir, va faire le sacrifice qui va amener le salut de toute l'humanité. C'était écrit de Christ, de sa trahison, de sa mort, de sa résurrection. Tout est écrit. Et c'était accompli selon la prophétie, selon la présence de Dieu. Et avec la présence de Dieu et avec les détails minutieux de Dieu, tout est arrivé à Christ. Mais nous devons poser la question, pourquoi? Nous savons que c'était prophétisé, nous savons que c'était selon la présence du Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Pourquoi a-t-il souffert? Pourquoi était-il trahi, crucifié? Pourquoi était-il mort? Pourquoi était-il enseveli? Il est venu révoquer la chute de l'homme. Tout ce qu'on a perdu par la chute d'Adam, Christ est venu et à son arrivée, il est venu restaurer tout ce que nous avons perdu en Adam. Tout ce que vous avez perdu en Adam, la résurrection viendra, la restauration viendra parce que Christ est venu la première fois. Et il s'est sacrifié et il a payé le plein prix, parce qu'il a payé le prix total. C'est pourquoi dans votre vie, quel que soit ce que le diable, quel que soit ce que les démons et le monde ont fait, et disent qu'ils ont le pouvoir de faire cela, à cause de la chute d'Adam, tout sera révoqué aujourd'hui. Et il est venu sauver. C'est pourquoi il est venu la première fois. Et là, sa première venue, c'est pour sauver. C'est pourquoi c'était prophétisé qu'il viendra, il viendra, et lorsqu'il est venu, et il mettra la fin au péché. Si tu n'es pas encore sauvé, tu seras sauvé cette nuit. Il va purifier ta vie, il va te pardonner. Et c'est dit comme tu viens, et que plaidons ensemble. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils seront rendus plus blancs que la neige. Et s'ils sont comme... s'ils sont rouges comme la pourpre, ils les rendront comme la laine. Il est venu sanctifier pour racheter Israël de tout péché. Il est venu pour nous rendre saints. C'est pourquoi il est venu la première fois. Et lorsqu'il viendra la seconde fois, il viendra régner, gouverner. Mais parce qu'il est venu la première fois, c'est pourquoi alors nous pouvons être sauvés, nous pouvons être sanctifiés. Et il est venu guérir. Si vous êtes malade, cette nuit, la guérison est venue. À cause de la première venue, il est venu cette première fois et il a porté tout notre opprobre, toutes nos maladies et les maladies qui doivent être sur nous, il a tout porté. Je suis guéri. Et vous allez rester en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Il est venu délivrer. Il est venu délivrer du pouvoir de Satan, du pouvoir des démons. Il est venu délivrer de toute affliction connue. C'est pourquoi il est venu la première fois. Et il ne faut pas confondre la première venue avec la seconde venue. Il est venu souffrir la première fois. Il viendra régner la seconde fois. Alors, il est venu nous fortifier. Aidez-moi à crier puissance. Il a mis la puissance en nous. Le courage en nous, la victoire en nous, la confiance en nous, et toutes les faiblesses et les tremblements
et tout le manque d'épines dorsales, Christ va tout ôter au nom de Jésus-Christ. Et puis, il est venu nous qualifier pour le ciel. Il est venu nous qualifier pour le ciel. Le ciel est un lieu préparé et le Seigneur vous préparera pour ce lieu au nom de Jésus-Christ. Allons au psaume 22. Nous parlons de la prophétie de sa souffrance. Nous parlons de la préscience de sa souffrance. Tout cela était prédit. Psaume 22. Tout cela était prophétisé. Psaume 22. Le Seigneur a donné la préscience de ce qui va se passer lorsque Christ viendra la première fois. Psaume 22, verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous rappelez ces paroles? Ce sont les paroles qu'il a déclarées à la croix. C'était prophétisé qu'il allait mourir à la croix, qu'il sera pendu à la croix. Même les paroles qu'il va déclaré à la croix, il va dire à la croix, et parce que lorsqu'il dira mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écarter mes plaintes? Verset 7. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Il était méprisé par les gens. Et tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Ce sont les paroles prophétisées selon la préscience du Père au sujet de son Fils unique. Verset 17. Qui dit? Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Et puis il continue de dire, ils ont percé mes mains et mes pieds. Ça, c'est la crucifixion. Cela n'est pas arrivé à David qui a écrit ce psaume. C'était arrivé au fils de David, au fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Messie. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Voilà. Le verset 19, il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Cela n'était pas arrivé à David, mais c'était arrivé au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'était prédit, prophétisé par la préscience du Dieu Tout-Puissant que cette souffrance aura lieu. Et c'était arrivé et les avantages de cette souffrance sont les vôtres. Les avantages de cette souffrance sont les miens. Les avantages de cette souffrance sont les miens. Ce seront les vôtres au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 63, la prophétie et la préscience de sa souffrance. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. C'était Christ. Cela parle de Christ, la prophétie de Jésus-Christ. Le même prophète Esaïe qui a prédit l'avènement du précurseur Jean-Baptiste a aussi prédit l'avènement, le premier avènement de Christ, que voici ce qu'il fera, ce qu'il accomplira à son avènement. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés. Ouais, Esaïe écrivait comme c'était déjà passé, parce qu'une fois que le Dieu Tout-Puissant l'a déclaré, cela va se produire. Cela doit se produire. Donc, on peut le mettre comme le passé, comme c'était passé ici. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtres, si que quelqu'un là-bas me dise ça, que nous sommes guéris. Cela était arrivé, vous allez le voir. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, comme chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est pourquoi il était venu, afin que tous vos péchés, toutes vos iniquités, toutes vos transgressions soient mises sur Christ. Il était opprimé, il était affligé, et néanmoins, il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Vous croyez, Christ, lorsqu'il était jugé à sa passion, et il n'a même pas ouvert sa bouche. Et il n'a point, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Vous voyez, il a été conduit à Pilate, de Pilate à Hérode, de là à Caïphe, et puis on l'a ramené encore à Pilate. Et alors il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, il était crucifié, il était tué et frappé pour les péchés de mon peuple. Pour vos péchés, pour mes péchés, pour nos péchés, afin qu'il vous accorde le pardon, la rémission des péchés, la paix du cœur, le salut, la rédemption. Parce qu'il a porté la douleur, le châtiment de vos péchés. Alors vous ne devez plus porter sur la verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Pour nous, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Cela veut dire qu'il était déjà mort, il était tué. Quand c'est dit qu'il verra une postérité et prolongera ses jours, cela parle de la résurrection et qu'il montera au ciel pour vivre au siècle des siècles. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Parce qu'il est mort, parce qu'il a versé son sang, parce qu'il a souffert, il a fait le sacrifice. Et alors votre vie maintenant peut être justifiée. Et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il a pris notre place, il s'est identifié avec nous. Il est traité comme un malfaiteur lorsqu'il portait votre péché, votre opprobre, vos péchés. Et qu'il a porté et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Ça c'est l'intention, ça c'est la souffrance de Christ, je vous l'ai dit. Et toutes ces souffrances ont été prophétisées selon la préscience du Dieu Tout-Puissant. Nous allons à Luc chapitre 24. Nous lisons le verset 25. Alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît? Ne fallait-il pas que le Christ souffrît comme c'est dit dans les prophéties? Ne fallait-il pas que le Christ souffrît comme c'est prédit? Ne fallait-il pas que le Christ souffrît comme c'était révélé par la présence de Dieu? Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Ne le savez-vous pas que la souffrance viendra avant la gloire? Ne savez-vous pas que le sacrifice viendra avant la manifestation de sa souveraineté? Verset 27. Et commença par Moïse et par
tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Depuis le temps de Moïse, c'était prédit, et dans tous les prophètes, dans les psaumes, c'était prédit, prophétisé selon la préscience de Dieu, et il leur expliqua, et il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit. Je prie qu'il ouvre votre esprit. Vous sachez, il est venu la première fois pour souffrir, et les avantages de sa souffrance et de son sacrifice, les avantages de sa mort, les avantages de son sang, les avantages d'être l'agneau pascal, que cela vienne sur chacun de nous lorsqu'il ouvre nos yeux, et on ne sera plus dans les ténèbres, on aura la compréhension du salut en lui, la sanctification en lui, la pureté en lui, et la provision de tout besoin de notre vie en lui. Et puis c'est dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Il l'a fait pour nous déjà, et je prie que les avantages soient les nôtres au nom de Jésus-Christ. Allons aux Actes 26. Actes chapitre 26. Verset 22. 22 dit, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Mais grâce au secours de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui parle ici, que j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Vous allez subsister. Je dis, vous allez continuer. Vous allez recevoir le secours de Dieu. Rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait. Moïse l'a prédit. Les prophètes l'ont prédit. L'apôtre Christ a dit que voici ce que je dis, voici ce que je prêche, voici ce que je révélais au peuple, ce que Moïse et les prophètes ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressusciterait le premier d'entre les morts. Il annoncerait la lumière au peuple et aux nation. Tout ce qu'il a pourvu sera le vôtre au nom de Jésus-Christ. Non, au sujet de la prophétie de Christ, rien n'était arrivé au hasard. Lorsque vous venez à Christ, vous devenez une nouvelle créature, vous devenez chrétien, rien ne vous arrivera au hasard. Nous avons souligné que Christ n'était pas pris par surprise. Il n'y a rien dans votre vie qui vous prenne par surprise au nom de Jésus-Christ. On a accentué qu'en Christ, tout ce qui est écrit de lui, toutes ces choses s'accomplissent au moindre détail. Le Seigneur vous connaît. Si vous êtes né de nouveau, votre nom est écrit dans le livre de vie au ciel. Le Seigneur a écrit de bonnes choses à votre sujet. Il a écrit de bonnes choses à mon sujet. Je dis, il a écrit de bonnes choses à mon sujet. Tout ce qui est écrit au sujet de Jésus-Christ était accompli. Toute bonne chose écrite à mon sujet seront accomplies. Il faut le dire pour vous-même. Toute bonne chose que le Seigneur a écrite vous concernant seront accomplies au nom de Jésus-Christ. Nous revenons à Marc 9, Marc chapitre 9. Je lis verset 14. Cela nous amène au deuxième point, qui est l'impuissance des gens dénués de foi parmi les saints. L'impuissance des gens dénués de foi parmi les saints. Nous voyons Marc 9, verset 14.
Marc 9, 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils. » Et lorsqu'il n'a pas vu le Seigneur, alors il a présenté ses fils aux disciples afin qu'ils puissent l'aider, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples, lorsqu'il n'a pas vu le Seigneur, j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Arrêtons-nous ici un peu. Lorsque certains prient et qu'une réponse immédiate n'est pas arrivée, il démissionne. Il dit que peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu. Peut-être l'âge du miracle est passé. Peut-être Dieu ne guérit pas aujourd'hui. Peut-être j'ai un cas spécial et je ne serai pas guéri. Il donne des excuses et s'arrête de prier. Vous n'allez pas vous arrêter de prier. Vous n'allez pas vous arrêter de demander. Vous n'allez pas cesser de demander. Et quoi qu'il ait amené ce fils aux disciples et que les disciples n'aient rien fait et que ce disciple n'arrive à rien faire, vous n'allez pas dire que j'ai prié, ce n'est pas fait. Alors, il ne faut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Alors, cette nuit, c'est la volonté de Dieu. Il ne faut pas dire que j'ai prié, ce n'est pas fait. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous savez, vous étiez faible, vous avez prié que ceci change, que cela change et tout est arrêté comme ça. Faut pas dire que peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu. Cette nuit, c'est la volonté de Dieu. Chaque fois, c'est la volonté de Dieu. L'incrédulité ne change pas la volonté de Dieu. Le manque de foi des disciples ne changera pas la volonté de Dieu. Et le manque de foi de quelqu'un, d'un saint, de quelqu'un qui prie, le manque de foi ne changera pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu sera accomplie dans votre vie. Et c'est dit au verset 19. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Jusqu'à quand vous les serez-je demeuré dans cette condition? Amenez-le-moi. Même si vous avez prié auparavant, il n'avait pas de réponse. Est-ce que vous pouvez revenir encore à Jésus ce soir? La réponse viendra. Le miracle viendra. Le déplacement de votre montagne viendra. Le démon là sera neutralisé dans votre vie, dans votre femme, dans votre mari, dans votre enfant, dans votre famille, au nom de Jésus-Christ. Le verset 20. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita. Le diable peut faire son pire lorsque vous priez, mais continuez de prier. C'est son dernier moment. L'esprit l'agita avec violence et tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Quel que soit le problème congénital que vous avez, ce soir, c'est réglé au nom de Jésus-Christ. Que ce soit un problème héréditaire, un problème hérité de la famille, que ce soit du village, que ce soit avant votre mariage, et cela continue. Il dit que depuis son enfance, lorsque vous viendrez face à face avec Jésus cette nuit, vous aurez la solution. 22. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. La chose là ne vous détruira pas. La chose là ne détruira pas ma vie. Il faut le dire pour vous-même. Il faut dire que la chose là ne me détruira pas. Le Seigneur est venu vous secourir. Il est venu vous restaurer. Il est venu vous fortifier.
Il est venu vous affranchir. Rien de Satan ne vous détruira. Rien des démons ne vous détruira. Rien de la société méchante ne vous détruira. Rien sur la terre. Rien de l'enfer. Rien de la mer. Rien des démons forestiers ne vous détruira au nom de Jésus-Christ. Si vous croyez cela, ce sera accompli, c'est confirmé. Verset 22. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Pourquoi a-t-il parlé comme ça? Parce que déjà, il a amené son enfant, ses disciples, et les disciples n'étaient pas en mesure d'aider. Il disait que, je ne sais pas, comme tes disciples n'ont pas pu aider, et il est venu, alors ils sont venus à la limite de leurs possibilités. Je ne te connais pas, je ne sais pas si la même chose avec toi. Nous parlons de ce deuxième point, l'impuissance des gens dénués de foi. Voilà le verset 28. Verset 28. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Nous avons essayé, on a crié, on a prié, on a couru autour de lui, nous lui avons imposé la main, on l'a tiré, on a tout fait, on l'a secoué, mais rien ne s'est produit. Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Nous devons répondre à cette question. Lorsque un croyant prie et que la réponse n'est pas donnée, la question est pourquoi? La prière n'est-elle pas exaucée? Pour les disciples numéro 1, c'est l'oubli. L'oubli. Avant cela, Jésus leur avait donné tout le pouvoir de chasser les démons et de guérir toutes sortes de maladies. Alors, ils ont oublié ce qu'il leur avait donné. Alors, maintenant, ils opéraient dans le naturel. Plusieurs croyants agissent comme ça. Ils oublient ce qu'ils avaient au nom de Jésus, dans les promesses de Jésus, ce qu'ils avaient dans l'Esprit de Christ. Ils oublient la puissance qu'ils ont déjà reçue. Alors, ils mettent cela de côté et vont agir dans le naturel. Ils prient dans le naturel. Ils font tout dans le naturel. Et à cause de cet oubli, c'est pourquoi ils n'avaient pas pu guérir le garçon. Numéro 2. À cause de la peur. Pour certains, s'ils voient un enfant possédé, une personne démoniaque qui se manifeste, qui crie, qui écume, qui roule par terre, ils vont craindre. Lorsque le démoniaque les regarde au visage, c'est comme s'il va leur transmettre le démon, alors ils vont commencer à trembler. Alors à cause de la peur, mais vous n'aurez pas peur du diable, parce que le Dieu de paix écrasera Satan ou écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Il est déjà vaincu. Je vais me tenir sur lui. Je vais le piétiner. Je vais marcher sur lui. Et vous allez rester victorieux dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, c'est à cause de l'oubli des disciples. Chaque fois, il faut vous rappeler ce que vous avez. Et si vous savez ce que vous avez, vous serez toujours victorieux. 2, c'est à cause de la peur. 3, c'est à cause de se nourrir sans s'exercer. Se nourrir sans s'exercer. Il y a des gens qui mangent, ils ne s'exercent pas. Ils ne sont pas actifs, ils ne font rien de pratique. Ils viennent le maladie, ils viennent lundi, ils mangent. Alors ils rentrent à la maison. Et ils n'agissent pas selon la parole de Dieu. Ils viennent le dimanche, ils écoutent la parole, ils nourrissent de l'aliment spirituel, ils rentrent chez eux sans exercice, ils deviennent obèses et faibles.
parce qu'il ne s'exerce pas. Ses disciples écoutent les paroles de Jésus-Christ lorsqu'ils étaient allés, ils étaient sortis, Matthieu 10, ils étaient revenus, ils ont manifesté le pouvoir. Alors, ils ont mis maintenant la puissance, le pouvoir là, dans la coquille. Tout ce qui écoute maintenant, parce qu'il ne s'exerce plus, parce que c'est ce que font beaucoup de personnes. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous allez agir selon la parole de Dieu, vous allez vous exercer, vous allez vous tenir, et ce que la parole de Dieu d'aller faire, vous allez faire cela, et vous allez réussir au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, c'est à cause de l'oubli. Numéro 2, la peur. Numéro 3, c'est se nourrir sans s'exercer. Numéro 4, pour certains, quoi qu'on ne puisse le dire pour les disciples, mais pour certains, c'est la famine de la parole. C'est comme une famine. La parole est riche, la parole est grande, la parole est remplie de nutriments, mais ils voient la parole, mais c'est comme il n'y a rien dans la parole. Ils lisent tous les versets, ils ne peuvent rien trouver là-bas. Alors, ils sont dans la famine de la parole. Mais vous ne serez pas famélique par rapport à la parole. Numéro 5, c'est la familiarité avec la parole. La familiarité apporte le mépris. Lorsque vous êtes familier avec la source de la puissance, lorsque vous êtes familier avec la personnalité de la puissance, vous êtes familier avec Christ, vous pouvez vous appuyer sur lui, vous pouvez être dans la même barque avec lui, et il peut dormir et l'eau rentre. Alors vous pouvez aller vers le Seigneur. Seigneur, pourquoi tu dors? Lève-toi, ne t'inquiète pas que nous périssons. Alors parfois la familiarité vous fera oublier que c'est une épée à deux tranchants. Cela peut faire des merveilles dans votre vie. Vous ne serez pas familier jusqu'au point que vous soyez paralysé au nom de Jésus-Christ. Numéro 6, c'est la frayeur, c'est l'inquiétude. Les gens là, ils s'inquiètent de trop. Le vent souffle, ils s'inquiètent. Quand cela passe, ils s'inquiètent. Un possédé démoniaque se manifeste, ils s'inquiètent. Le père là-bas crie, ils s'inquiètent. Chaque fois, ils s'inquiètent. Pourquoi tu t'inquiètes comme tu sais que Christ va résoudre ton problème? Pourquoi tu t'inquiètes comme tu sais que Christ est sur le trône? Cette nuit, Christ est sur le trône. Il peut tout faire. Il va tout faire. Alors, vous allez vous appuyer sur lui. Vous allez vous calmer parce que vous savez que la réponse est venue. Vous allez vous calmer parce que vous savez que la solution est venue. Et comme nous mentionnons le nom de Jésus, toute puissance maléfique va fuir au nom de Jésus-Christ. Donc, vous ne vous inquiétez pas de rien. Et pour les autres, pas les disciples, c'est le fait de retrouver de fautes. À tout moment, chaque fois ils suivent Jésus, ils n'ont pas vu la puissance, ils n'ont pas goûté la puissance, ils n'ont pas possédé la puissance, et la puissance n'a pas agi en eux. Vous savez pourquoi? Tout ce que Jésus a fait, ils critiquent. Où sont, pourquoi tes disciples mangent comme ça? Pourquoi tes disciples mangent sans se laver la main? Pourquoi ils n'observent pas la tradition des anciens? Pourquoi ils n'obéissent pas aux anciens qui sont là? Et ils paraissent indépendants et indifférents de ce que les anciens ont dit. Alors le fait de chercher des fautes fait que certains ratent leur miracle. Vous ne serez pas pareil. Quel que soit ce que Christ fait est bon. Je dis, quel que soit ce que Christ fait est bon. Et l'incrédulité ne va pas entrer dans notre vie au nom de Jésus-Christ. S'il y a l'incrédulité, qu'est-ce qui va se passer? L'incrédulité prive les gens du salut authentique. Alors, ils ne le voient pas comme sauveur. Ils ne fléchissent pas devant Christ comme sauveur. Ils ne confessent pas leur péché à Christ comme étant le sauveur. Le sauveur est proche, mais l'incrédulité prive les gens du salut. 2. L'incrédulité prive les gens de la guérison. Sa puissance est présente pour guérir, mais l'incrédulité prive les gens de la guérison. L'incrédulité prive les gens de la délivrance. Il est capable de délivrer, même cette nuit, il va délivrer tout le monde. L'incrédulité prive les gens
tes expériences chrétiennes, le salut, la sanctification, le baptême dans le Saint-Esprit, l'incrédulité privilégiant de la sainteté. Dit que moi, je ne comprends pas comment je peux. Moi, je ne sais pas comment je peux être saint. Alors, chaque fois, ils sont dans la colère, dans la sueur. Alors, je ne comprends pas. Je ne peux pas vaincre ceci, cela. Vous savez pourquoi? C'est à cause de l'incrédulité, parce que Jésus est capable de sauver jusqu'à l'extrême, jusqu'aux extrémités de la terre. Certains, lui, l'incrédulité va fuir, la foi va rentrer. La foi accomplira tout ce que le Seigneur a planifié pour vous au nom de Jésus-Christ. L'incrédulité prive les gens des réponses aux prières. Il y a des gens qui prient, ils prient beaucoup. Et vraiment, ils prient, demandent au Seigneur, ils tapent à la porte à tout moment. Parfois, ils se couchent, parfois, ils se mettent à genoux, parfois, ils se mettent debout, parfois, ils marchent martialement comme un soldat quand ils prient. Parfois, ils vont regarder les cieux, parfois, ils vont battre l'air. Ils sont très sérieux, ils prient. Mais pourquoi leurs prières ne sont pas exaucées? C'est à cause de l'incrédulité. L'incrédulité nous prive des réponses aux prières. L'incrédulité nous prive de la victoire. L'incrédulité nous prive de la puissance. Cela nous prive de la joie. Voilà le croyant. C'est un croyant sérieux. C'est un croyant qui lit la Bible. C'est un croyant qui étudie la Bible. C'est un croyant qui prie. C'est un croyant qui est consciencieux. La seule chose, c'est qu'il n'a pas la joie. Et la joie du Seigneur est notre force. Personnalisez cela. La joie du Seigneur est ma force. Et puis, vous savez, ils ne sont jamais contents. Vous le demandez, si vous le parlez de la Bible, ah, ils vont faire sortir la référence de la Bible. Tout ce que vous lui demandez dans la Bible, ils sont en mesure de vous donner la réponse. Ils lisent bien la Bible, ils prient, mais il n'y a pas la joie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la foi. Parce que c'est en croyant au Seigneur qu'on a la joie. Vous serez remplis de la joie du Seigneur. Et certains ne sont pas satisfaits. Il n'y a pas la foi. Parce que l'incrédulité nous prive de la satisfaction de toute bonne chose. Et cela peut nous priver de la communion avec Dieu. Et l'incrédulité peut priver les gens du ciel. Cela ne vous arrivera pas. L'incrédulité va fuir. L'incrédulité va sortir. Voyons Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1, verset 6. Jacques 1, 6. Mais qu'il la demande avec foi. Quelque chose que vous demandez, l'amour, la sagesse, la puissance, l'autorité. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Mais quelqu'un là-bas aujourd'hui va recevoir. Voyons Hébreux chapitre 3. Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, cela parle aux croyants. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. L'incrédulité apporte l'instabilité. Aujourd'hui, la personne est dedans, demain, elle est dehors. L'incrédulité apporte une personne à une situation instable. C'est pourquoi c'est dit, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 19, aussi voyons-nous, qui ne put y entrer, à cause de quoi? À cause de l'incrédulité. Ouais. Hébreux 4, verset 1, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée
aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La parole prêchée, alors, ne leur profite pas, n'ajoute rien de positif à leur vie. Pourquoi? Parce que la parole n'a pas trouvé de la foi chez ceux qui l'entendent. Vous êtes venu à l'étude biblique, vous écoutez la parole. Lorsque vous avez écouté, alors il faut que cela se mélange avec la foi. Que cela c'est pour moi. Ce sera fait dans ma vie. Alors je serai bénéficiaire aujourd'hui. Et même certains qui prêchent la parole, ils disent la bonne chose, ils prêchent la bonne chose. Mais ils ont le même problème des années, le même problème de vieux temps. La personne peut prêcher et la personne a la parole. Pourquoi? Quoi qu'il prêche, alors il ne personnalise pas ce qu'il prêche, ce qu'il lise. Cela ne trouve pas de la foi chez ceux qui la prêchent. Verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés, à cause de quoi, dites-le-moi? À cause de leur désobéissance. À cause de leur désobéissance. Vous n'aurez pas l'incrédulité. L'incrédulité ne va pas demeurer dans votre cœur. Cette nuit, vous allez manifester la foi. Et vous allez recevoir au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que la foi peut faire. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Verset 16. Prenez pas dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre comme de traits enflammés. Dites-le moi du malin. Dites-le à vous-même. Dites-le très fort. Que le diable vous entende tous les traits enflammés du malin. Que le diable sache qu'on le sait. Prenez pas dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Cette nuit, cela va se produire. Tout trait enflammé, toute flèche du malin, toute affliction, nous allons briser cela cette nuit. Nous allons le détruire cette nuit. Toutes les flèches du diable pour tout le monde, c'est brisé au nom de Jésus-Christ. Nous retournons à Marc 9. Marc 9. Nous lisons verset 23. Marc 9. Verset 23. Rappelez-vous le père du garçon possédé par le démon a dit, si tu peux, a dit que... Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours et compassion de nous. Peut-être c'est ce que vous dites. J'ai ce problème, c'est héréditaire. J'ai ce problème congénital. Ah, vraiment, je l'ai amené à plusieurs endroits, plusieurs lieux. Et c'était sans solution. Et tu dis cette nuit, si quelque chose peut se passer, que le si là n'est pas du côté de Dieu. Le si là, c'est de votre côté. Voilà le verset 23. Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, qu'est-ce qui suit là-bas? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Voyons un passage parallèle en Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de s'élever, vous diriez à cette montagne, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Votre montagne se transportera. La montagne dans votre famille se transportera.
Les obstacles dans votre vie spirituelle se transporteront et elles se transporteraient. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Il faut le personnaliser. Rien ne me serait impossible. Puisse le Seigneur le confirmer dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Marc 11. Marc chapitre 11. Nous lisons le verset 22. Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Si vous ne pouvez pas avoir foi en Dieu, Jésus ne l'aura pas ordonné. Vous pouvez avoir la foi en Dieu, vous aurez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, qui est ce quelqu'un-là? Il n'y a pas de discrimination au ciel. Il n'y a pas de partialité au ciel. Et cette nuit, vous, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je le verrai s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et je le verrai s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Et le miracle sera confirmé dans votre vie. Romains 4. Romains chapitre 4. Nous lisons le verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ainsi qu'il faut avoir le miracle, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. N'allez pas dire que je n'ai pas, parce que je ne peux pas voir. Je n'ai pas, parce que je ne peux pas sentir. Je n'ai pas, parce que, non, ma prière n'est jamais aussi. Mais je sais que j'ai. Je sais que j'ai. Vous pouvez ne pas le voir physiquement. Mais vous allez le confesser avant que la chose ne se présente. Dieu qui donne et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut. Il n'y a pas de situation désespérée dans votre vie. Il ne faut pas vous tuer. Il ne faut pas vous crucifier. Il ne faut pas vous détruire. Il ne faut pas agir contrairement. Il ne faut pas agir contre votre bonté que moquer. Moquer est difficile, moquer est terrible, désespéré. Moka n'est pas désespéré. Votre quai n'est pas désespéré. Votre femme n'est pas désespérée. Votre mari n'est pas désespéré. Vos enfants ne sont pas désespérés. Espérant contre toute espérance, il crut en tout en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Vous ne considérez pas comment vous vous sentez. Vous ne considérez pas ce que vous voyez. J'ai touché ce lieu-là. Le lieu est mort. Il n'y a pas de sentiment. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans. Puisqu'il avait près de 100 ans, je vais vous poser une question. Il ne faut pas répondre à la question. Il faut garder la réponse dans votre cœur. Quel est votre âge? Il ne faut pas parler. Quel âge avez-vous? Celui-ci, il avait 100 ans. Y a-t-il quelqu'un ici qui a 100 ans, ce que Dieu a promis, quel que soit votre âge, j'ai 70 ans, j'ai 80 ans, j'ai 5 ans,
Demain, ceci, lorsque j'avais 40 ans, oubliez le passé. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. C'est moi cette nuit. Mais il fut fortifié par la foi, c'est vous. Je ne peux jamais mentir. Je ne peux jamais échouer. Ce qu'il a dit qu'il fera, il le fera. Donc vous êtes fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction. Combien convaincu vous êtes et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Vous avez la pleine conviction que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Il y a l'accomplissement dans votre vie cette nuit. Et c'est tout est par la foi. Tout est par la foi. Notre salut, c'est par la foi. Notre sanctification, c'est par la foi. Notre acceptation, notre assurance, que l'assurance que nous avons, que tout ira bien, c'est par la foi. Votre pureté, votre puissance, il purifiera votre cœur. Il vous donnera la puissance. Il vous baptisera et vous remplira du Saint-Esprit, c'est par la foi. Notre confiance, notre courage, notre audace, notre autorité, c'est par la foi. Notre guérison, notre santé, c'est par la foi. Les signes et les prodiges sur votre vie, c'est par quoi? C'est par la foi. La grâce surnaturelle, ma grâce te suffit. Quel que soit ce que vous traversez, comme l'apôtre Paul, il est allé trois fois au Seigneur. Le Seigneur lui a répondu disant que tu sais ce dont tu as besoin. Tu as besoin de la grâce et ma grâce te suffit. Cette nuit, vous avez la grâce qui vous suffit. Et il est don spirituel. Au fait, cette nuit, tout est, toute chose à tout moment, pour tout lieu, dans toute situation, tout est possible. Tout vous est possible. Et c'est par la foi. Je dis, c'est par la foi. Marc, chapitre 9, verset 23. Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Pensez à cela. Il avait l'incrédulité. Il croyait, mais il y a quelque chose sous, il y a l'incrédulité sous la crédulité. Il dit que, aide mon incrédulité. Cela nous dit que, s'il y a l'incrédulité, il y a la croyance, la foi au-dessus, même s'il y a l'incrédulité, sous cela, Dieu vous exaucera. Si dans votre cœur, il y a la foi, Seigneur, je crois, mais dans mon esprit, il y a quelque chose qui dit quelque chose et cela me donne l'incrédulité, Dieu vous exaucera. Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd. Maintenant, vous devez comprendre. Quel que soit le sentiment de l'homme, ce que l'homme là sent, ce qu'il dit, dès que Jésus ouvre sa bouche et parle à cet esprit muet là, l'œuvre est faite, l'œuvre est achevée. L'œuvre est achevée. Quel que soit ce que vous sentez, quel que soit le sentiment, la sensation que vous avez, dès que Jésus ouvre la bouche pour parler à la source de votre problème, l'origine de votre problème et ce qui cause le problème, dès que Jésus s'adresse à cela, à ce démon, l'œuvre est exécutée. Votre sentiment ne changera pas l'efficacité de la parole de Jésus-Christ. Et
C'est à lui seulement de parler. Il a parlé non à l'homme, mais Jésus menaça l'esprit impur et le dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Sors maintenant et après que tu es sorti, ne retourne plus. Il y aura la délivrance et la domination permanente ici aujourd'hui. Et il sortit en poussant des cris, en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Non, vous n'allez pas mourir. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Il vous lève aujourd'hui. Vous allez vous lever, vous allez vous tenir debout dans la force, dans l'autorité, dans la puissance. Vous allez vous tenir debout avec la réponse. Vous allez vous lever avec la domination. Vous allez vous tenir debout avec la guérison. Jésus le fit lever et il se tient debout. Rappelez-vous, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Puisque j'ai cru cette nuit, tout m'est possible. Dis-le pour vous-même, tout m'est possible. Tout m'est possible parce que j'ai cru. Tout est possible. Où êtes-vous? Tout est possible. Dans votre famille, tout est possible. Vos larmes sont essuyées, tout est possible. Vos joues sont brisées, tout est possible. Vos maladies sont ôtées, tout est possible. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Je crois. Où êtes-vous? Je crois. Tenez-vous debout et parlez au Seigneur, je crois. Tenez-vous debout et criez-le, je crois. Tenez-vous debout et réaffirmez cela, je crois. Tout est possible, ouvrez la bouche. Parlez au Seigneur, je crois, je ne suis pas un douteur, je crois, je ne suis pas un incroyant, je crois, je ne suis pas désespéré, je crois. Je ne suis pas impuissant. Je crois, je reçois. Je crois, c'est à moi, c'est pour moi. Je crois, les problèmes de longue date sont ôtés. Je crois, la montagne de longue date est ôtée. Je crois, la puissance du péché est brisée. Je crois, l'affliction est ôtée. Je crois, j'ai vaincu. Je crois que c'est fait. Je crois. Que je suis plus que vainqueur. La faiblesse ne peut pas demeurer. L'impuissance ne peut pas demeurer. L'impotence là ne peut pas demeurer. La mauvaise chance ne peut pas demeurer. La dépravation ne peut pas demeurer. Vous avez besoin du salut? Jésus est votre sauveur. Dites-lui. Parlez à Jésus. Le salut est pour tout pécheur. Il ne faut pas dire peut-être, peut-être. Il n'y a pas une affaire de peut-être ici. Jésus pardonne à tous ceux qui l'invoquent. Si tu peux,
est possible à celui qui croit. Puisque vous avez cru, tout est possible à ceux qui croient, à celui qui croit. Je crois. Et comme vous allez rentrer chez vous, continuez de croire. Quel que soit votre sentiment, continuez de croire. Quel que soit ce que vous voyez, continuez de croire. Quel que soit ce que vous entendez, continuez de croire. Celui qui croit, continue de croire. Continue de croire. Celui qui croit, tout est possible à lui, à elle. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu a exaucé mes prières. Faut le dire, Dieu m'a exaucé. Tout ce que je vois, je vais continuer de croire, quels que soient mes sentiments, je vais continuer de croire, quel que soit ce que j'entends, je vais continuer de croire, quel que soit ce que les gens disent, je vais continuer de croire. J'ai parlé à ma montagne. Ma montagne a quitté. Quel que soit ce qui est l'aspect, je crois que la montagne est partie. Je crois que ma montagne s'est déplacée. Je crois que mon problème est réglé. Je crois que mon corps est guéri. Je crois que mon âme est sauvée. J'ai reçu ma réponse. Où êtes-vous? Levez ces mains-là. Vous allez recevoir quelque chose. Ce que vous allez recevoir sera permanent. Quelqu'un là, aidez-moi à crier permanent. Père, au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom pour la révélation de ta parole. Que Christ est venu la première fois pour souffrir et dans la souffrance et dans le sacrifice, il a ôté tous nos péchés. Confirme cela dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Le fardeau du péché, le poids du péché, la condamnation du péché, la culpabilité du péché, la puissance du péché, la douleur du péché, ôte cela de toute vie au nom de Jésus-Christ. Et comme tout le monde croit que tu les sauves maintenant, que le salut soit authentique, réel et défini dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Les autres expériences chrétiennes que tu donnes cela à ton peuple. Seigneur, tu as pleuré sur le bois et par tes maîtrises nous sommes guéris. Personne n'a le droit de porter encore la maladie au corps lorsque tu as tout ôté. Ainsi, pour chaque frère, chaque sœur, pour chaque femme, chaque homme, pour tout le monde qui étudie avec nous cette nuit, je prie que toute forme de maladie quitte votre corps au nom de Jésus-Christ. Satan n'a pas le droit d'opprimer un croyant. Parce que la prophétie est que Christ, lui, va briser la tête de la prostituée, de la femme, Christ va briser la tête du serpent. Et Christ brise la tête du diable. Que toujours, toute malédiction vienne sous vos pieds maintenant au nom de Jésus-Christ. Vous êtes guéri au nom de Jésus-Christ. Vous êtes délivré au nom de Jésus-Christ. Comme vous rentrez chez vous, que la puissance aille avec vous. Que la paix vous accompagne. Que la pureté vous accompagne.
Que la provision vous accompagne. Que la prospérité vous accompagne. Que les impossibilités deviennent maintenant possibles dans votre vie. Le nom de Jésus a amené des bénédictions indicibles sur votre vie cette nuit. Et la bénédiction du salut, des expériences chrétiennes, de la guérison, de la domination, de la délivrance, du déplacement des montagnes. Que tout cela soit permanent dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Confirme ta puissante main sur toute vie. Qu'il y ait la joie, qu'il y ait le bonheur, qu'il y ait la satisfaction, qu'il y ait une permanence de chacun des miracles que tu as donné au nom de Jésus-Christ. La joie du Seigneur, que cela se multiplie dans toute vie. Nous savons que c'est fait. Je sais que c'est fait pour moi. Je sais que c'est fait pour moi. Je sais que c'est fait pour moi. Merci Seigneur, confirme cela dans chaque vie. Au nom de Jésus.